بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous parlerons aujourd'hui de ce que certains qualifient de nouveaux penseurs de l'islam Qui sont ces nouveaux penseurs de l'islam L'islam peut-il admettre qu'il y ait de nouveaux penseurs au sein de la communauté musulmane, mais surtout qu'est-ce qu'un penseur Très très facile de dire un tel ou un tel est un nouveau penseur. Est-ce que euh, ce, ce, ce titre euh, va, va se limiter au fait que quelqu'un dise quelque chose qui n'a jamais été dit par, par, par les prédécesseurs ou est-ce que le nouveau penseur, c'est quelqu'un qui, sur la base d'un patrimoine, ouvre de, de nouvelles voies, de, de, on va dire, d'investigation, de, de, de recherche, de, de, de réflexion sur un certain nombre de domaines Je commencerai par vous, euh, professeur pourrait-on, qui, qui, qui mérite ce titre de penseur Ou qu'est-ce qu'un penseur, tout simplement euh, un penseur, euh, dans le sens euh, qui nous concerne, qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui élabore des systèmes de pensée. Sortant du cadre licite, sortant de, de la sphère musulmane, oui, nous sommes oui, avant l'islam, oui. qu'est-ce qu'un penseur euh, Dans le domaine euh, sera... de l'intellect humain, un penseur, c'est quelqu'un qui élabore, d'abord qui, qui s'apparente à une école de pensée, ou c'est quelqu'un qui élabore des systèmes de pensée. Pourrait-on avoir des exemples euh, Je ne sais pas, moi. Par la, exemple, per, la, per, la période grecque, la période romaine, et les euh, En fait, il euh, n'y a pas quoi. de période. C'est une continuité. Euh, L'être humain étant un animal pensant, ouais. euh, la pensée a toujours fonctionné. C'est une continuité. Mais euh, ce qui compte surtout, c'est les domaines de, 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 de spécialisation. Euh, on appelle un penseur quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui devient euh, euh, traçable, visible plus que, que les autres. Euh, il, il élabore un système de pensée émergent, qui émerge, donc qui est plus visible que ceux des autres. Bon, alors il y a déjà, là, nous, avons affaire, nous aurons affaire à deux catégories, si ce n'est trois. La première, c'est des penseurs euh, qui ont eu la formation pour ça. D'autres qui, euh, qui, qui, qui sont, disons, des penseurs spontanés, qui ont un jour, euh, durant leur vie, pris le train en marche et ils commencent à, entre guillemets, à radoter. Euh, pourquoi radoter Parce qu'ils ne respectent pas les règles de, de, du processus de la pensée humaine. Parce que la pensée humaine, pour qu'elle soit valable et constructive, il faut qu'elle euh, qu soit subordonnée à des critères euh, de logique. Euh, d'objectivité. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui, qui, qui sont nécessaires pour que cette pensée soit valable et, et digne d'être prise en considération. Les autres, les autres penseurs, ben, c'est des... Euh, je ne dirais pas des amateurs, mais... Des frontières. Euh, oui, c'est-à-dire c'est euh, c'est une sorte d'opportunisme intellectuel. Mais attendez, est-ce que est-ce que cet opportunisme intellectuel ou même scientifique, est-ce qu'il est, qu est d'entrée de jeu mauvais? je me souviens avoir vu une fois un documentaire sur une personnalité qui aimait tellement les loups qu'il a fini par vivre avec des loups, quelqu'un qui n'a reçu, qui n'a suivi aucun cursus, qui n'a reçu aucune formation universitaire, mais qui a développé parce qu'il aimait les loups, il a trouvé un système qui permet aux bergers d'éloigner les loups. Et bon, beaucoup l'ont fustigé, c'est des scientifiques, un tel est à telle université, l'autre est chercheur par-ci, par-là. Mais il y a quelqu'un, il y a un chercheur qui, est, qui a parlé et qui a dit, à mon sens, c'était des, des, des propos très très acceptables. Il a dit, vous savez, la, la science a besoin de gens comme ça, de ceux qui, qui sortent des sentiers battus. Il a appelé ça des francs-tireurs. Il a dit ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là aussi que la science euh, progresse. Le terme moderne, c'est des, 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 des penseurs disruptifs. Dis, disruptifs. Disruptifs. Parce qu'ils il qu font dire. de la disruption. C'est comme une étincelle d'électricité dans un, dans un courant. C'est à la fois euh, une rupture très très courte, mais en même temps un nouveau départ. D'accord. Euh, donc, c'est un, un terme qu'on utilise beaucoup dans le management, le, d d être disruptif. Donc, un penseur, c'est quelqu'un, vous disiez, qui s'apparente déjà à un courant de pensée ou à une école. Absolument. Et qui est Donc, émerge... il est soumis à un dogme. Et quand un penseur n'est pas soumis à un dogme, c'est soit un penseur libre, soit un libre penseur. Ça existe, ça. Quel est la, quelle est la, la, la nuance entre les deux euh, Le penseur libre. C'est quelqu'un euh, qui pense librement, donc qui, qui, qui euh, refuse les entraves, dans un système de pensée donné. Et lui, il, il, il est le penseur libre, il, 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 euh, il se positionne dans un système donné, un système de pensée donné, donc peut-être un dogme, une dogmatique quelconque, mais euh, à l'intérieur de, ce, de, de cet espace. Euh, Est-ce que vous avez des, des noms, des exemples comme ça Oui, euh, par exemple. Euh, 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 je sais pas moi, par exemple dans, dans le domaine de la psychanalyse, euh, Carl Gustav Jung, Jung, oui. euh, qui était le disciple de Freud. Oui. Mais Freud, c'est un, il est figé dans, dans, dans sa théorie. Jung, euh, il s'est libéré de, de cette, euh, il est resté dans l'école de la psychanalyse, de la psychanalyse. Freudienne. Mais, mais il, a, il, il est sorti avec, il est arrivé à d'autres considérations plutôt que la libido de Freud. Oui. Et même le, son propre disciple, Adler, il est arrivé à autre chose. Ce sera les penseurs libres. Donc, grâce à eux, la psychanalyse, euh, elle, elle repose sur un tripode. Ce n'est plus le monolithe Freud, mais c'est un tripode. Et par conséquent, il y a d'autres dimensions de la vie qui ont été introduites dans l'esprit de la psychanalyse. Ça, c'est important. Un, un, Ça, c'est le penseur libre, libre. Euh, le le, libre le, penseur. Non, le libre penseur. Ça, c'est le libre. Alors, le, euh, le penseur libre, c'est quelqu'un qui qui, qui n'a aucune attache pratiquement. Hein. Euh, il est devant un phénomène de la vie, il, il le traite, il pense, il réfléchit, il dit ce qu'il en pense. Ça, c'est euh, c'est quelqu'un qui qui ne qui, qui ne qui ne se soumet pas au dogmatisme à, la do, à une dogmatique quelconque. Parce qu'attention, le dogme, il est pas c'est pas un dogme, c'est pas uniquement mauvais. Hein. Il y a du bien dans le dogme. Oui. C'est des garde-fous, c'est des, euh, des terrains, euh, disons, stables, éprouvés, etc. Ce que, pas... nous, ce que nous pourrions traduire en arabe par le mot oui, oui. c'est euh, le, est... euh, le problème de, de ces penseurs euh, euh, auto-proclamés. Euh, auto autoproclamés, oui. Euh, des penseurs. Euh, euh, je ne sais pas, moi, qui, euh, qui, euh, qui vous donne l'impression que vous êtes devant quelque chose de visqueux, d'impalpable, de, de, euh, de, etc. Ce genre de penseurs, ils ont euh, très souvent euh, une idéologie. Ils défendent une idéologie donc il n'est pas la leur. Ils s'apparentent à une idéologie. Donc, des, déjà, ils sont plus proches du politique que du philosophique. Donc, ils défendent une idéologie et... Euh, euh, ils, ont, et, et, ils font partie d'un un plan, une conspiration ou, ou une réforme quelconque, etc. Par exemple, euh, la semaine dernière, on, on parlait de ce penseur qui qui fustigeait euh, le Fouqaha et en particulier les mêmes chefs. Lui, il a, il, il a une autre dimension euh, qui, qui n'a pas euh, ou euh, ouvertement citée. C'est l'arabité. C'est l'arabité. Euh, il fustige aussi, il déconstruit et il réduit. C'est un discours réducteur. Il réduit les arabes par le biais de la religion. Certes, les arabes, euh, 99% des arabes sont musulmans, mais il ne faut pas oublier que euh, 95% des musulmans sont des aïsm. Donc utiliser la religion, ça c'est un, un faux penseur. Hein. C'est un exemple de faux penseur. Bon, on ne va pas le, le citer énormément, mais c'est un faux penseur. C'est un opportunisme de la pensée. Donc, en utilisant la, la religion, il, 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 il réduit les Arabes, mais en même temps, il se contredit, parce que son esprit n'est pas structuré. n'est pas structuré. Euh, L'exemple est clair. Par exemple, il dit « l'aql al-arabi » Bon, il a donné trois, trois causes l'intellect un et bon ça c'est on peut pas pas la peine de développer mais il dit aussi là là il est en train de c'est réducteur oui absolument c'est réducteur mais il va se contredire plus tard euh, il dit wa euh, a une des trois, trois, des trois, de, de ces trois raisons voilà. peut à elle seule voilà. suffire à Voilà. À la -à dire qu'il n'y a aucun espoir avec les Arabes, ils sont cuits oui. mais là il en profite là, euh, il fait un retour sur la religion ou le ma'soul ou l'assassin la technique de l'Aqliya, Mohamed Benoît Idriss Shafi'i, Ahmed Benoît Hambel et Abu Hamd Ghazal. C'est eux les responsables de ce Aql qui n'est pas productif, contre-productif. Alors, le problème, c'est qu'il se contredit parce qu'il fait oui. l'amalgame oui. entre oui. plusieurs choses parce que son esprit n'est pas structuré. Il y a un arabe. من حصة اوروبا. يا ابو حمد الغزالي سي 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 نو وي، وكان الغزالي من حصة عجمي. نعم. وكان م. وكان الغزالي من حصة العرب. م. داكو دونك دونك وكنا نتمنى ان يكون العكس هو الصحيح. لبقيت اوروبا متخلفة حتى اليوم. سي لوروب افي شوزي ابو حمد الغزالي على بلاص دو بن رشد. Elle, 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 elle serait à notre place. Nous, on serait évolué et eux. Mais là, là, la contradiction elle réside où C'est qu'il a dit que l'Europe a évolué et elle est devenue une civilisation productive grâce parce à la Chozia, à Et il l a... L a... non, mais attendez. En, en réalité, il n'a pas tort dans la mesure où l'avéroïsme, en tant que courant oui. de pensée, a dominé l'Europe pendant trois siècles. Oui, mais ça c'est oui. ça c'est <laughs> évident. Mais là, j'ai donne un exemple du penseur dont la pensée n'est pas structurée et qui se prend pour un penseur non, et, non. Que, et que... Les pourquoi, cons... ne serais, pourquoi ne serait-ce pas plutôt un, un penseur qui, qui fait de la prostitution intellectuelle Absol pour, oui, plaire, oui, pour oui. plaire à oui. certaines à Oui, absolument. Ceux. Il fait partie d'une conspiration qui est euh, une conspiration réductrice de la situation arabo-musulmane. Alors lui, il a fait son choix. Oui. C'est de bonne guerre, il est libre de le faire. Mais il ne faut pas non plus... Euh, 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 il, il, faut, il faut quand même euh, être en mesure de faire le, la différence entre le bon grain et l'ivré. Et là, il faut une pensée aiguisée, un esprit structuré. Un ingénieur de, de génie, en génie civil ne peut pas aborder des domaines pareils. Il peut peut-être le faire à titre personnel, mais on ne peut pas lui donner une dimension mondiale avec les réseaux sociaux, le, 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 la dogmatique universitaire, etc. Oui. C'est ça le problème. Euh, euh, les penseurs, on les fabrique maintenant, on les fabrique. – Et pourtant, Malek Ben Nabi, Allah était aussi ingénieur, il hein ne faut pas l'oublier. – Oui, oui, mais, mais, mais lui… – Mais il avait une autre, une autre, oui. une autre orientation. Oui. – autre... Mais lui, lui justement, oui. parce que sa pensée est structurée, est ça, voilà. oui. eh ben, il, il est écarté, oui. il, est, il est occulté. Oui. – Attendez, attendez. Oui n'oublions pas une chose. si vous faites un petit saut dans l'histoire, vous allez remarquer que la majorité des, 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 des grands savants de l'islam, dans quelque domaine que ce soit, étaient des gens qui à la base ont reçu un, un, une instruction religieuse. malik bin nabi l'a fait. malik bin nabi, dès son plus jeune âge, a étudié chez des grands maîtres. C'est-à-dire que la base, le socle, c'était ça. Oui, il, il était. Il, il, il pouvait là. parler. Il, il est Il, il son français. fait le cursus traditionnel, traditionnel, comme traditionnel, comme les Médésiens. Voilà, le, oui. le, le, le il vous était... parler de... Le... Oui, 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 de. Oui, il parlait de. Il vous parle de Qatarnada hum. comme un spécialiste, hum. comme, un, comme un grammairien. Hum. C'était quelqu'un qui. Hum. Là, là, nous sommes avec une catégorie de gens qui ne maîtrisent rien. Lui-même, justement, lui-même, Malik Ben-Abd al disait à propos de ces penseurs, euh, comme vous l'avez dit, autoproclamés, il disait que ces gens-là veulent, veulent ouvrir, la, ouvrir la citadelle à tous les vents. Il est mmh. calvé comme ça. Ouais. Donc, ils veulent un islam, euh, c'est ça, ouvert à, 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 à toutes les idées. À toutes les idées, à n'importe quoi. Voilà, un islam dépourvu de, de toute… Euh, euh, authenticité, voilà, un, un Islam déstructuré. Ça, Maintenant, réduit à réduit, euh, ça. Plus pardon, simple juste expression. Un mot pour euh, répondre justement directement à votre question, un faux penseur, si on peut l'appeler ainsi, c'est un penseur qui s'appuie uniquement sur la sophistique. Expliquez au téléspectateurs. Alors, le, le discours sophistique, c'est un discours. Qui, euh, qui n'est pas logique, c'est des sophismes. Ça vient du grec. Euh, c'est les, les écoles sophistes. Mmh. Les oui. écoles sophistes. Euh, sophsata. 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 Mmh. L'exemple mmh. que je viens donner, c'est une sophsata. Mmh. C'est du sophisme. Alors un, un faux penseur, c'est quelqu'un qui use et abuse de la sophistique. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire la logique, le baien, le tbien, le mantre, le la rhétorique, tout ça. Euh, pour lui, c'est des, des instruments, mais le but, c'est d'arriver à, à rendre oui. vrai un raisonnement faux. C'est ça le problème des faux Pourrait On Pourrait-on parler ici de, 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 de syllogisme Bon, les syllogismes, c'est que... les, 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 les... les parties d'une proposition, oui. dans les la prémisse Oui. les prémices. Pensée. Oui. Oui. Mais, ah, oui. Euh, un exemple. Euh, je ne sais pas, peut-être l'exemple le, le plus simple, le plus connu, c'est. Bah, je, je vais vous dire euh, des. Les, les, les chiens aboient. ce chat aboie. donc tous les chats aboient. c'est il n'y a pas une sorte de transitivité. Ouais. a est égal à b. b est égal à c. Mmh. donc a est égal à c. c'est mmh. pas c'est pas. Nous ne sommes pas dans... le, quelle, est, quelle est la différence entre le sophisme et le raisonnement par l'absurde? parce que là là nous sommes ça a un peu plus évolué. Je ne sais pas, corrigez-moi, ne sommes-nous pas beaucoup plus dans un raisonnement par l'absurde, qui est très très très, très, très dangereux aussi, que, que, que dans une sorte de sophisme. Non, le sophisme, c'est une pensée euh, viciée. Elle est viciée parce qu'elle ne s'appuie pas sur les règles de la logique. Euh, y a, y a, euh, c'est une pensée piégée. Pour les non-initiés, ils tombent dans le panneau. Mais le, le raisonnement par l'absurde, des fois, euh, on l'utilise même en mathématiques. C'est arriver euh, à, à comprendre une, une réalité ou un phénomène en analysant son contraire. Des fois, on arrive à un résultat positif, constructif. En, en, en partant du contraire de ce, de ce phénomène qu'on analyse. C'est ça le raisonnement par l'absurde. La, euh, ça commence toujours par supposant que, supposant. Mais là, c'est une pensée saine, oui. parce que le but est sain. Et j'essaye de, de, de cerner le problème euh, par l'utilisation de plusieurs angles d'attaque. Supposant que si c'était ceci, si c'était cela. Supposant, par exemple, que. Euh, euh, par exemple, euh, euh, la gravité n'était pas une attraction, mais une poussée. Oui. D'ailleurs, il y a même une école américaine qui dit que euh, gravity is a push. Oui. Pour eux, la gravité c'est une poussée, c'est pas une attraction. C'est pas une. Donc, euh, euh, supposons que euh, c'est réellement une poussée. Et non une gravité. Une... Et, et non, non une... Une, attraction. une attraction. Alors que, que, que serait le monde, quel résultat on aurait C'est ça le raisonnement par l'absurde. Mais la soph... le sophisme et la sophistique, euh, en Grèce, dans la Grèce antique, les écoles sophistes sont arrivées au nihilisme, qui est l'annulation le, 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 de toute logique. Et, 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 euh, le nihilisme, c'est... C'est l'aliénation la, la de l'esprit. Voilà, voilà. ah, euh, les écoles sophis, sophistes grecques ont donné les, les écoles nihilistes. C'est ça, le... le... Alors, ce, ce genre de penseurs, euh, ils veulent que... C'est des nihilistes, à leur façon. Ils veulent que l'islam soit annulé en le, déconstru... en le déconstruisant au niveau structurel. Mais ils font des bourdes, que, quelqu'un qui... Euh, qui, qui est un bon critique, arrive à débusquer les, 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 les pièces qu'il veut. Ouais. Par exemple, il me, il me fait l'amalgame entre l'arabité et l'islamité. Euh, pour, dé, pour, dé, pour, dé, pour dénigrer, pour réduire l'arabité, il utilise l'islam. Mais après, euh, il, 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 il se contredit, il dit que. Euh, un, un arabe a suffi pour rendre l'Europe euh, telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas debout. Et des fois, des fois, mmh. des fois, ça prend euh, cette, euh, cette tendance prend prend une, une tournure plus pernicieuse mmh. euh, parce que elle est elle est elle est elle est, elle est cette, cette déstructuration de l'islam. Elle est, elle, est, elle est elle est elle est suivie et élaborée par Uh, des personnes qui, qui soi-disant se réclament de, 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 de l'islam authentique. Je, je, je vais citer un exemple qui, qui, qui est tout, tout, tout récent. Un, un imam très connu, uh, un, qui est très suivi, il faut le dire, uh, de, et, 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 est, il est originaire du Golfe arabique. Uh, a élaboré une, une, une théorie qu'il qu a appelée la, la religion abrahamique. Mmh. Donc, c'est une, une forme de syncrétisme euh, entre les, 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 trois, les trois religions. Les trois religions, soit, et et même, prétexte que... Même, même, les, même le, le brahmanisme aussi. Ce le... sous prétexte, sous prétexte que, que les trois religions... Euh, euh, ont été en euh, le même le même fondateur qui est Abraham euh, alayhi Salam et justement dernièrement ça fait quelques quelques jours ou quelques même pas quelques quelques semaines euh, quelques semaines de cela heureusement le grand le grand imam d'al Azhar euh, le cheikh Ahmed Tayyib, a justement a dénoncé cette euh, ce qui qui qui, qui cette tendance qui, qui, qui a fait du chemin, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les, certains même représentants bien. des trois religions, et, 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 et ça a justement vers la reconnaissance, entre autres, la reconnaissance de, de l'entité sioniste mm. sur, le, 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 sur le, le, son droit, oui. sur la Palestine. Ça fait partie de la conspiration. Absolument. Et imam, le grand, on, imam, parle, on parle de House of Abraham. Voilà, le grand imam dal la... a dit justement à, à ce. ce cet imam-là qui, qui fut à l'origine de cette euh, idée, il, il lui a dit, si, si vous voulez euh, réformer euh, quelque chose, allez, ré, allez ré, réformer votre demeure, votre maison. Ouais. L'islam n'a pas, pas besoin d'être réformé. L'islam, c'est l'islam. Été... Dans, dans le cadre de cette histoire de mmh. religion abrahamique, le pape, quand mmh. il a visité l'Irak, mmh il a proposé, il a visité Ours, hein, mm. la, la, enfin, la, la ville, ville natale Khalil. Il, hein, hein. il a dit, mm. euh, une fois cette religion établie, mm. il faut construire une Mecque, une nouvelle Mecque à our mm. Vous voyez les résultats. Mais le danger, c'est que, que lorsque des, des, <laughs> des imams, des imams et des hommes de, oui, de religion, des, si, des, si, des docteurs en théologie musulmane, qui entrent dans... Que ce soit des intérêts financiers, soit des carences dans, dans le modèle de pensée. Voilà. Il y a, il y a des imams, mm. des… des – des, Et c'est plus, plus dangereux que lorsque oui, ah oui, euh, des, des penseurs qui, absolument. qui euh, oui. à, à tout le moins, chacun oui. peut… peut, peut oui. on peut dire qu'ils qu n'appartient pas à, à, à l'islam, ce n'est pas des spécialistes de l'islam, pas mais lorsque ça, ça vient de la part… – C'est plus dangereux. – Absolument, d'imams… – D'un Voilà, d'un ça, c est, qui est, c est à la tête d'une façon dangereuse. Les syncrétismes religieux euh. ont, ont toujours existé, comme la religion oui. sire, par exemple. La religion c'est un syncrétisme. Oui, oui islam, hindouisme. Euh, oui. oui. mm. euh, mais mm. euh, euh, le nombre limité de ses adeptes et le, euh, la non-constructivité dans le temps de, de, de cette secte… – qui est limitée, très limitée, euh, ça mm. prouve que les syncrétismes, ça ne marche pas. C'est vrai. Ça mmh. ne marche pas, ça ne risque sure, pas de oui. marcher. Sure. Donc si on insiste là-dessus, mmh. c'est qu'on a un but, mmh. une conspiration derrière la tête. Mmh. C'est ça ce qu'il faut. Mmh. Et ces penseurs modernes mmh. qui usent et abusent des réseaux sociaux, des appuis politiques de, de puissance étrangère, etc. Euh, Imaginez-vous que euh, durant le, le mandat de G.W. Bush, mmh. euh, ils ont emmené une femme. Pour la prière, diriger la prière du vendredi, prière vendredi à New York. Vous vous rendez la compte oui. Oui. La oui. Donc, c'est hum. ça le. Hum. Maintenant, hum. quand nous parlons des nouveaux penseurs, je. Vous savez, dans le, si vous voulez. Combattre l'ignorance, par moments vous êtes obligé de, de, de combattre aussi l'obscurantisme qui existe dans bon nombre de sociétés musulmanes où l'on n'arrive plus à faire la distinction entre les us et coutumes et ce qui relève réellement de la religion. Même dans un pays comme l'Algérie, si, si vous, pour peu que, que vous fassiez le tour de, de nos mosquées, Beaucoup de gens sont d'avis que la polygamie, c'est une sunna, c'est une tradition prophétique qu'il faut observer. Certains, certains pays, je crois, sont allés jusqu'à imposer la polygamie parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a, il y a un nombre très, très limité d'hommes, donc on essaye de, de faire en sorte que la majorité des femmes se marient. Mais moi, quand je lis le Coran, la polygamie, c'est quelque chose qui est à peine autorisé, parce que nous avons d'autres versets qui mettent des garde-fous. C'est-à-dire ah oui. que on oui. ne peut pas aller vers la polygamie, on ne peut y aller ou aller vers la polygamie que sous condition. Ah oui, il y a des conditions. conditions <coughs> non, que que, maintenant, que, quand quelqu'un vient me dire, oui, mais non, le prophète l'a fait, les, les, ceci l'a fait, un tel l'a fait, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans ton esprit à toi. Il peut y en avoir dans mon esprit, et, et malheureusement, nous avons beaucoup beaucoup de choses qui, qui se sont, qui ont pris le dessus sur ce qui est réellement ou sur ce qui relève réellement de, de, de l'islam. Je me souviens au début, au tout début des années 90, je, je lisais une revue qui venait à l'époque du Koweït, si je ne m'abuse, qui était une revue qui était quand même assez bien suivie. Pas le Mouftia, mais... J'ai oublié, je ne mmh. sais plus mmh. si c'était l'Arabie ou quelque chose, mais mmh. le, le Koweït faisait beaucoup oui, de oui, production. C'est un, mmh. un pays qui, est quand même, mmh. qui se démarque sérieusement sur le plan intellectuel de, de tous les autres pays du Golfe. Et c'était une yéménite qui parlait, qui disait voilà, le, en, quand nous sortons avec le, le visage euh, dévoilé, nous subissons les, des injures, des. des on est vraiment ciblé, alors que ce voile que, que, qui, 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 qui est devenu un phénomène de mode n'existait pas chez nous, les yéménites. Il a pris le dessus, il a été rehaussé au rang de pratiquement de commandement religieux. Vous comprenez ?– De roc. roc – C'est comme, comme, comme ça, ça se passait en, en Afghanistan, où la, où la burqa qui, 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 qui était une tradition, une coutume, elle est devenue, elle est devenue un, une règle, une règle absolument, un, mmh. un dogme. Mais heureusement, alors vous voyez, avec euh, des fois, euh, justement, c'est le contexte qui, 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 qui impose le changement des choses. Mmh. Maintenant, les, 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 les talibans sont revenus au pouvoir et maintenant la, la burqa n'est plus, elle n'est plus considérée comme 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 comme, euh, comme une obligation bah, off euh, donc, officiellement. Mais le problème avec ce, le, le, le... Le problème avec ce genre de, 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 de coutume ou ce genre d'usage qui s'incruste comme ça, c'est qu'une fois que c'est installé... La fille, la, 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 les filles qui ne vont pas à l'école Écoutez, ça, aussi. Oui, le problème, mmh. c'est que ça, ce sont des choses mmh. ou des usages qui s'installent en, en moins d'un an mais qui prennent des siècles pour disparaître. Mmh. Le fait, par exemple, dans certains pays d'Afrique, euh, le mariage des jeunes. Je suis pour le, que, que les gens se marient jeunes, mais euh, il y a un certain nombre de conditions. Et, les, des conditions, elles peuvent être humaines, elles peuvent être euh, morales, elles peuvent être d'ordre économique. Il y, a, il y a la maturité qui, qui s'inscrit là-dedans il y a énormément de choses il y a donc. le phénomène de, de l'excision qui l'excision aussi est, en Afrique qui c est, c est, pour une, certains pour certains c'est une obligation alors oui. que il a rien absolument il n'y a, a, a rien en islam qui, mais qui, vous qui... allez le problème c'est que est-ce que est que l'islam s'oppose à des gens qui viennent dénoncer cela et qui qui par moments en fait Pratiquement les sciences humaines et qui veulent régler des problèmes d'ordre sociétal. Même si ces gens-là ne sont pas des, 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 des théologiens, par exemple, ou des érudits, ils viennent, ils dénoncent quelque chose qui, 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 qui prend de l'ampleur dans la société. Est-ce que l'islam s'oppose à ça Non, jamais. Le, 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 au contraire. Il y, a, il y a eu justement des, des, des penseurs authentiques, hein, authentiques. Euh... En Islam, qui, qui n'ont pas, n'ont pas fait, n'ont pas une, une formation euh, euh, fondamentalement religieuse. Euh, par exemple, euh, euh, Mohamed Iqbal, c'était un philosophe, oui. oui. un philosophe qui, qui avait qui étudié en, euh, en, en Allemagne la philosophie allemande et qui et, et, et son livre là, 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 Restructurer la la. La, la, la pensée de l'islam est, 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 est un livre, euh, vraiment un programme hein, concernant justement euh, l'istihad et, et la réforme. La réforme de la réforme, euh, c'est pas la réforme de l'islam en tant que tel, mais la réforme de dans l'islam. Voilà, dans l'islam, exactement certaines pratiques euh, en islam. Vous avez. Euh, Malik bin Nabi, dans ton pays, vous avez... Euh, chariati. Euh, chariati aussi, euh, dans, dans le camp chiite. Alors là, euh, oui, euh, là encore, il euh, y a un autre problème. Vous, allez, allez, vous avez essayé de coutre. Allez parler, qui n'avait pas fait une formation oui. religieuse, mais... Le, écoutez, justement, mm. c'est ce que les gens, justement, à mon sens, devraient mm. comprendre. Alors, vous parlez de Chariati. Là, nous sommes à la télévision nationale, nous parlons de Chariati. Beaucoup de gens ne connaissent pas Chariati. Oui. Vous êtes dans une mosquée. Mm. Pour peu que quelqu'un sache que Chariati était chiite, mm. c'est la catastrophe. Mm. Comment ose t citer un chiite mm. Je me souviens, dans, au tout début de réflexion, en 2012, si je ne m'abuse, avec... Euh, il y avait feu chez Rdouan et docteur oui. oui. Saïd Chiban. Et docteur Saïd Chiban avait cité Ayatollah khomeini On parlait de, de la prière. De la... Il a dit il y a chez khomeini quelque chose de bien qu'on qu trouve dans tel livre. Et il l'a cité. Et il euh, y a des gens, moi, qui m'ont interpellé dans la rue dit, comment ça dit, ta ah, professeure, de ne pas citer les chiites D'accord. Si je cite. Si moi je, je, je cite par exemple Goethe ou, ou Jacques Berck ou bien… – Qui ne sont même ne pas, pas musulmans. – Qui ne sont même pas musulmans, mais qui ont dit des choses mmh. très belles sur l'islam, mmh. ça passe. Mmh. Et quand je cite, si je cite Ayatollah Khomeini, ça ne passe plus. Mmh. Je, je, je n'approuve pas, il y, a, il y a beaucoup de choses dans le chiisme que je n'approuve mmh. pas. Mmh. Mais il n'en demeure pas moins que quand un chiite dit une vérité, elle mérite d'être citée. Oui. Je suis mm. désolé, il y a le Mahdi Shamsuddin, qui était un grand savant chiite, oui. mm. mort dans, oui, les, bon, au, oui. de, dans oui. les années 90. Mm. Il a un livre sur le Siyas qu al qu'on traduit communément par politique licite, mais qui est. l'un des murs qui ont écrit sur l'économie islamique, c'est Sadr. C'est oui, Moussa Sadr. C'est connu, qu'on le ou non. Donc, mm. est-ce mm. que. Est-ce que l'islam s'oppose à ce que à ce que l'on l'on soit dans cette sphère qui, qui, permet, qui permet comme ça d'avoir affaire à différents affluents, qui nous permet de, de, de découvrir, d'aller à, à la découverte d'idées, de, 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 de personnalités qui ne sont pas forcément dans notre camp? Moi, je dis, moi, je dis simplement, le Nabisslaslam a dit, le règne est au devant de tous les musulmans. La sagesse, c'est c'est la est, quête du musulman. C'est la quête inlassable du, du croyant. Là, aïnawajda, biha » là où il la où trouve, il, la trouve euh, il en est le plus. Disons. Absolument. Il doit la Donc, donc qu'est-ce qui nous empêche de euh, de, de recevoir d'autres 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 idées Et, et ça s'est passé dans l'histoire de dans l'histoire musulmane, hein. uh, uh, juste après le après les compagnons, lorsqu'il y avait ce mouvement, ce mouvement intellectuel à Bagdad, par exemple, où il y avait les Moqaddis, il y avait l'Achaïra, il y avait les chrétiens, les juifs, les les manichéistes, il y avait toute une panoplie, une panoplie d'idées. Euh, qui, 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 qui circulent. Et euh, ça n'a fait, fait aucun tort, ni aucun mal euh, à, à, à l'islam et aux musulmans. Au contraire, ça, 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 euh, la civilisation musulmane ne s'en portait que mieux. Oui. Donc euh, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait. Qu oui, parce euh, qu'à hum. cette époque-là, on sauvegardait hum. les fondements, les pierres angulaires de. de... Exactement. Et oui. c'est. C'était grâce aux mm. universités musulmanes. Mm. C'est le, le colonialisme. La première des choses qu'il a commencé à faire, c'est détruire ces universités. Euh, par exemple, euh, le Karawié, Zitouna, Damasque. M. etc. Même en Asie, dans les pays du En afrique En Afrique, tant beaucoup. Alors, qu'est-ce qui caractérisait ces universités Leur cursus. Leur cursus est très clair. Par exemple, mon père, l'Armo, quand il a étudié à l'université Zitouna, entre 1928 et 1934, il avait un cursus. Qui se composait de 24 modules. 12 modules de la langue arabe et 12 modules de la charia, de la du fiqh. Alors, qu'est-ce qu'il y avait Bon, le, le fiqh, c'est clair. Euh, L'objet du fiqh est clair. Mais euh, pourquoi 12 modules en langue arabe Pour que le discours de l'imam, parce que lui, il était destiné à devenir imam, le discours de l'imam ne doit pas être subversif, ne doit pas être contre-productif, etc. Alors, ils apprenaient le bayan, le le Ils étudiaient même les... oui, oui, il y a, il y a le balagal, le aroud. Dans, dans l'étude même de la langue arabe, il y a douze disciplines. Oui, oui, 12 disciplines, les étudiaient. Donc, son discours est, 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 est solide. Il n'y a, a aucune place pour la subversion ou la sophistique, le sophismes. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans les, dans les universités modernes, il n'y a plus ce, ce genre de cursus. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on a perdu à notre époque C'est les, les corpus. Quatre imams, quatre, c'est des, des géants. On ne peut pas définir leur, leur. Ils nous ont laissé quatre cursus, euh, quatre corpus. corpus. On, on commence à les déconstruire. On, on, les, on, les, on, les, on, on tire à boulet rouge dessus, etc. Pourquoi Parce que. Le corpus, c'est l'origine euh, de, 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 de l'école de pensée dont, dont, dont on parle. Il ne peut pas y avoir de pensée sans corpus euh, dans son background, dans, dans son arrière-plan. Il faut des corpus, c'est-à-dire des systèmes de connaissances intégrés pour qu'on puisse avoir un système de pensée intégré. Alors la pensée qui. Qui, qui virevolte comme ça dans l'espace et dans le temps, ce n'est pas une pensée. C'est des faux penseurs euh, 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 qui parlent, qui parlent, qui parlent parce qu'il y a des buts derrière tout ça. D'ailleurs, leurs pensées ne sont pas productives, elles sont contre-productives, parce qu'elles n'arrivent pas à, à fonder des sociétés nouvelles, elles arrivent juste à, les, à créer des dissensions, mm. donc à créer des. Des, euh, des, des, des accidents, si j'ose dire. – Mais à Donc, déconstruire surtout. Hein. – Oui, oui. Euh, surtout mmh. déconstruire. Mmh. C'est ça mmh. la différence fondamentale entre un vrai penseur et un faux penseur. – En tout cas, c'est ce que je, je retiens de tout cela, c'est que bon quand je lis le Coran, j'ai Dieu subhanahu wa taala qui, euh, qui approuve Belkis alors qu'elle qu adorait le soleil, mmh. « et puis je me retrouve aussi avec un exemple vivant justement, où, où, qui, qui est qui est qui est l'exemple le, le plus édifiant en termes de de, de, de déconstruction et c'est vraiment c'est la catastrophe sur le plan intellectuel, c'est le le, le néo-salafisme, c'est ces gens qui qui, qui font uniquement dans la déconstruction et qui, qui ne cessent de jeter l'anathème sur les autres. Alors, ici même en Algérie, il hein, y, a, y a plein de mosquées euh, qui, où, où les imams sont, se réclament de ce courant. Et euh, par exemple, l'un d'eux avait, euh, je ne sais pas moi, chaque vendredi, il y avait pratiquement les 48 wilayas qui venaient assister à son à son horizon du vendredi, c'était l'icône, la personne qui ne peut en aucun cas se tromper, c'était le savant par excellence, le savant inconnu, hein inconnu du théolo, de, de la communauté théologienne. Et puis, il suffit que le gourou euh, en, 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 en <laughs> Orient dise que voilà, « Fulan, let's tamiru fulan, il vaut pas le coup, fulan, c'est un innovateur. foulan. il faut plus lui, le, le, lui adresser Ils le sont salam. Il faut mettre pas... dans le jarh, le ou le, 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 le... Le, le, le Comme ah, dirait ah, l'autre, pas ah, le jarh ou le Exactement. Et, et le problème, c'est que du jour au lendemain, oui, attends, les, les téléphones, la, le fatwa, elle, elle, elle sort maintenant, là. au moins d'une de, demi-heure, c'est bon, la personne, elle est cuite. Et, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça. Qui me disait on ne sait plus quoi faire avec ces jeunes parce que c'est la majorité des adeptes de, de cette mouvance sont d'une mauvaise éducation mais alors euh, plus que plus qu'appliqués et à partir de là ouais, c'est ce que vous avez semé que vous êtes en train de récolter donc les, les, les c'est à l'image du feu qui brûle tout puis qui, qui finit par se consumer lui-même les quand nous parlons aussi de ces nouveaux penseurs, non, nous sommes obligés de défendre l'islam de ces rigoristes, mais nous sommes aussi dans l'obligation de défendre l'islam contre ces, de, de plutôt de le défendre de ces des, 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 des agissements de ces pseudo nouveaux super penseurs. Oui, bien sûr. Nous, malheureusement, nous avons, nous avons affaire à deux. À deux, euh, et deux tendances, deux deux tendances diamè... mmh. diamétralement opposées. Mais qui ont le même but. Et, 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 qui, et qui, sont des, qui sont des alliés stratégiques, si, si j'ose dire. Mmh. C'est ça le problème. Elles œuvrent pour, oui. pour le même, oui. le même objectif, mal, bah. le même but, malheureusement. Donc, euh, euh, comme dit comme la règle, la. La Nous avons une tendance qui, qui, qui veut. Carrément euh, ouvrir la citadelle euh, au, au vent comme disait Malick benabé et l'autre qui veut murer qui, absolument, les fenêtres qui veut la fermer et l'entourer de murs et, et de murs et de murs pour euh, euh, donc euh, c'est ça le problème donc euh, où est le, euh, il, il, il faut chercher la, la voie médiane qui, qui est la voie juste milieu euh, que, que le Coran nous euh, nous, ont, nous nous a, il faut nous, restaurer nous, la recommande, exact, nous recommande nous euh, recommande nous recommande donc le, le, je vais, je oui. vais je, en parlant des nouveaux penseurs, mmh. ou, ou bien des nouveaux réformateurs, mmh. est-ce qu est que l'islam nous autorise à. Déjà, il nous autorise à nous poser des questions. Nous sommes dans, dans l'obligation de nous poser des, des questions, à condition aussi de ne pas faire de, de, cette, de ce travail d'interrogation une gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire on se pose des questions par moments on n'arrive pas à la réponse, mais il faut passer à autre chose, il faut se construire, etc., et essayer de trouver des, je ne sais pas moi, des, des, des choses qui, qui, qui vous épargnent cet effort intellectuel qui peut vous user. Le... souvenez-vous une fois, je en étais au haut conseil islamique, et euh... c'était à l'époque de shirgha et j'ai posé un problème. Dans mon nombre de sociétés musulmanes, il y a ce phénomène, par exemple, de l'inceste qui commence à prendre de l'ampleur. Oui. Est-ce qu'il faut maintenant engager un travail de réflexion sur l'autorisation de, de l'avortement pour ces filles qui ont subi euh, l'inceste, qui le subissent euh, là, je voudrais juste aussi euh, ouvrir une petite parenthèse. Une fois, j'étais à la maison, on me dit Tiens, un tel euh, t'a fustigé dans une émission de télé. Ah bon Et pourquoi ben, Il dit que tu autorises l'avortement pour une femme qui a été violée. J'ai dit Non, j'ai jamais dit ça. Pourquoi je ne. Je le pense, je suis de cet avis. Mais pourquoi je ne le dis pas Parce que je n'ai pas autorité à le faire, tout simplement. Et si pareil point devait être discuté, il ne pourrait se faire que dans un cadre collégial, oui. dans une assemblée, c'est-à-dire mm. des gens qui pèsent vraiment lourd, qui parce qu'on peut ouvrir des, des brèches que, que l'on ne pourrait. C'est la boîte de Pandore, en fait. Hein, vous vous l'ouvrez, vous ne pouvez plus la, mm. la refermer. Ensuite, bon, alors, je, commence, je, 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 je commence à faire des recherches pour essayer de trouver la vidéo. J'essaie de contacter la personne, je n'arrive pas à la joindre. Et je tombe sur un article. Euh, de, lui, il a cité un journal, un journal genre euh, Torchon, hein, écrit par un, un petit commerçant qui a une dizaine de journaux. Il a Le Religieux, il a le spécial euh, Potin, il y, a, il y a de tout. Cet homme fait de tout. Et, et pire encore, je tombe sur un journal officiel, national, qui cite justement l'article et qui me cite. J'appelle le journal sans citer le nom, je tombe sur le rédacteur en chef, je suis, je suis un tel, et voilà, il y a. Vous, vous m'avez cité dans un article, vous, 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 vous m'imputez des, 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 un crime bon. pratiquement, mmh. duquel. Il me dit non, attendez, il faut contacter la journaliste et on va voir. Je, la journaliste m'appelle pour me dire en fait, c'est pas vous qui avez dit ça, mais on a mis votre nom. Ah bon et vous me le dites comme ça, de manière. Elle me dit, non, mais c'est. En fait, on a fait une erreur, ce n'est qu'après que, que l'on s'est rendu compte. Mais, mais bon, quand vous étiez sur place, vous ne m'aviez pas vu. Elle me dit, non. Moi, est-ce que vous me connaissez Elle me dit, bien sûr, je vous vois à la télé, je vous entends à la radio. Donc je vous... Et comment avez-vous pu mettre mon nom avec... pour, 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 quel... pour pareille chose non, mais... Ensuite, bon, on a, on a réglé les, les, les choses, mais. Ceci a démarré en fait suite à une interrogation que j'ai faite lors d'une un, journée d'études où j'ai dit peut-être qu'il est temps face à cette hécatombe que l'on commence à réfléchir sur l'autorisation ou la légalisation de l'avortement pour ces jeunes filles mineures qui ont subi un inceste et qui sont sur le point d'accoucher. Alors mettez-vous à la place de cette fille. Et même à la place de son entourage immédiat. Elle a accoucher elle, de, 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 oui, son frère, là, de son frère. De son frère, qui soeur, est oui. en même temps son fils. Mmh, Et puis, suicide. ça va... Euh, J'ai vu des cas... Il y, y a filles, des suicides. Les filles mmh. ont été chassées de chez, y chez y elles. C'est-à-dire, voilà, si mmh. tu vas accoucher, tu vas accoucher ailleurs. Personne mmh. ne, nous, ne, ne saura que, que ça vient de nous, etc. Et c'est vraiment un problème. Donc, est-ce que nous avons le droit de réfléchir avec une multitude de disciplines, pas uniquement le pôle religieux, le pôle des théologiens, sur ce type de, de, de questions. Il aussi si la, la, la sociologie qui entre en jeu, le, le, la psychologie, l'histoire, etc. Oui. Donc, plusieurs si, disciplines, hein. si, si mm. nous avons, par exemple, des gens, la médecine, quelqu'un mm. qui a, par exemple, étudié sociologie, mm. Qui est qui est, qui est qui passe pour un maître dans le domaine de la sociologie qui vient vous poser un problème de ce genre c'est un penseur c'est un penseur qui dans, dans une question qu'il est en train ou dans un problème qu'il est en train d'étudier va toucher à l'islam est-ce que l'islam s'oppose à ça euh, il s'oppose pas à cela euh, d'une façon disons euh, euh, comment dire catégorique euh... Non, ce n'est pas une question de catégorie mm. ou partielle. Euh, Comment on dit le terme quand, par exemple, il y a des manifestations dans, dans la rue, on les, euh, on les, on les bloque, euh, c'est-à-dire oui, euh, voilà, la, la répression. Mm. La répression. L'islam est contre la répression de la pensée humaine. Mais euh, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, parce que là... Bon, vous, vous me dites que l'islam est contre la répression des idées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mm. Euh, quand j'étudie l'histoire de l'islam, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont produit des idées, mais alors euh, tout aussi folles, entre guillemets, les unes que les autres. Euh, J'ai le cas, par exemple, d'Al-Hallaj, qui a été plus loin que, que, que ce qu'il est permis euh, de faire, et qui, cependant, euh, euh, est. est était maintenu dans une, dans une sorte de, de tractation avec les, les grands maîtres de son époque et quand il a été tué le crime était beaucoup plus politique où oui, il est resté en le... prison pendant euh, plus d'une dizaine d'années hein. oui. il y a plusieurs califes qui sont qui sont qui, oui. sont, qui oui. sont succédés et, et donc et c'était <coughs> euh, comme vous l'avez dit fin de compte quand il a été il a été euh, exécuté c'était c'était plus euh, mais mais euh, pour mais motif politique que, 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 parce que. Parce que les politiciens de oui. l'époque ou les oui. régions de l'époque. Parce qu'il y avait à l'époque souffraient... le problème des karmates. Oui. Voilà. Et, 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 les, et les uns oui. s'offraient, euh, enfin, euh, ça a essayé une certaine légitimité en le maintenant Exactement. en prison. Voilà. Vous prenez le cas de Djoubaï, oui. qui oui. était l'icône des Mu'tazila. Oui. Quand les Mu'tazilés ont été, ça y est, ils ont été chassés de la cour des, des, des abbassides, euh, le le, le, le jubai euh, sortait de chez lui, il rencontrait d'autres grands maîtres avec lesquels il y avait des face-à-face. Des, des, des face. Il en a même fait avec son disciple par excellence, qui est abou Hassan al-Ash'ari. C'est l'homme qui a, qui a déconstruit le mu'tazilisme. Mm -hmm. et, et le, le, le problème, c'est que c'est avec l'Ash'ari qu'a commencé cette, cette, cette appellation de el mm -hmm. Sunna ou Jama'a c'est pas avec les Salafis, je suis désolé. Mm -hmm. et, quand vous me dites il ne réprime pas, mais, ça me pose problème. Moi, dans le cerveau, ça oui, fait problème. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé finir la, la phrase. Mais, une société, c'est un groupe humain euh, qui est encadré par des institutions. Ces institutions doivent prendre leurs responsabilités <coughs> vis-à-vis de ce phénomène. Par exemple,. Euh, euh, une idée subversive vient comme ça de oui. la part d'un penseur. Un penseur, oui. euh, un penseur euh, euh, qui n'est pas censé être euh, réprimé euh, sort une pensée et il essaye de, de faire de la subversion au sein de la société, c'est-à-dire répandre sa pensée et, et, et prendre la relève du système de pensée précédent. Bon, et les institutions sociales qui sont responsables de l'équilibre et de la pérennité de la société. Où est-ce qu'elles sont Il faut qu'elles qu gèrent ce problème. C'est un problème à gérer. On ne réprime pas, mais on gère le problème. On, on déconstruit la déconstruction. C'est aussi simple que ça. Il donc, faut déconstruire la déconstruction. – Donc tirer sur son vis-à-vis -vis avec des arguments, pas avec des balles, quoi. – Bien sûr. Euh, par exemple, c'est bon, ce qu'a cité le, le, le néo il y a, il y a, il y a deux, deux autres courants de pensée qui sont pires, c'est le, le morger et le, le machalier. Oui. Qui, 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 qui essaye de déconstruire ça Ça s'impose parce que tout le monde s'en fout. Quand il y a un modèle de pensée subversif, contre-productif, il faut réagir, mais réagir comme le veut l'islam, dans le respect de l'autre, le respect de la pensée, mais il ne faut pas laisser le mal se répandre. Il y a des responsables quand même. Là. En, tout cas, en tout cas, pour, juste pour terminer, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, amis téléspectateurs, sachez que beaucoup de ceux qui font justement ce type de subversion pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, euh, à chaque fois que beaucoup d'entre vous les fustigent, les, 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 essayent de les, de les remettre à leur place en les insultant, ces gens-là de font, ils font, ils font du, du, de, 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 des captures d'écran de leurs propres comptes et les envoient à des institutions occidentales qui vont les classer parmi les personnes, les libres penseurs qui voilà. sont, qui sont acculés oui. dans leur pays, qui sont persécutés. persécutés. Oui. Et ça c'est, attention, il faut plus faire ça, il faut répandre de manière avec sobre, avec des arguments, oui. avec des rester arguments et rester, oui. comme dit le professeur Balmecki, positif. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Et d'ici la prochaine séance, nous vous disons oui. « wa wa barakatuh. Merci messieurs.